Bonjour et bienvenue dans Resident Evil 2 Remake. Mungitsu, moi à présent, on va essayer de faire le jeu après un an après sa sortie. Je vais enfin le découvrir parce que je fais en sorte de ne pas me dévoiler l'histoire, même si bon, je la connais, mais bon. Je me suis pas dévoilé tous les rebondissements, donc je vais devoir chercher par moi-même pour comprendre toutes les énigmes et tout. Et donc je ferai les deux voix, hein, à savoir Léon et Claire, mais je vais commencer par Léon. Mais je pourrais commencer aussi par Claire, hein, parce qu'on oublie toujours que le personnage féminin est le personnage facile dans les jeux Resident Evil. Bon. La blague des développeurs, toujours là-dessus. Et donc, on va commencer avec Léon S. Kennedy. Et on va jouer en normal. Je pourrais jouer en facile, hein, mais bon. J'ai un peu de fierté. Je te jure que c'est vrai, ok? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc, c'était Oh vendredi putain, soir mais. dernier. Alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers Ce moi. burger est toujours aussi La façon dont elle immonde. titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Parce que j'ai maté quand même quelques Donc, scènes, les tu scènes l'as débité, t'as baisé son multipliées, où collier, c'est que les t'as réactions du visage voilà. sont multipliées. Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Mais bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, Elle a un j'aurai gros plus rhume, de c'est temps, tout. ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. Je vais faire quelqu'un. C'est pas vrai. Ça devenait intéressant. C'est un choc. Oui, oh bon, mon humour est un peu à plat. Hein. Et j'ai pas fait exprès pour cette deuxième vanne. J'ai pas fait. Oh, t'inquiète, elle va bien. Non, sans blague. C'est bizarre. C'est calme. C'est un petit peu beaucoup trop calme. J'aime pas ça quand c'est un petit peu beaucoup trop calme. Alors donc, je remonte dans la voiture, je me barre. Je refuse. Je n'ai pas envie d'aller dans le lieu sombre. Une petite foulée, hein, c'est important pour maintenir la forme. Ça, c'est quand même vachement sécurisé quand même comme comme lieu. Hein.
Ça, il me donne faim avec le hamburger. Eh oh, y a quelqu'un? Vous avez obtenu la lampe. Non, non. Je refuse d'aller vers le mec qui est en train de se bouffer le bras. Ça va? Bougez pas, je vais revenir. Vous ah non, il est juste en train de pisser le sang. Je connais tous les jumpscares existants, vous ne m'aurez pas. Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose d'effrayant après cette porte. C'est évident. Arrête de bouger. Est-ce que tout va bien? Reculez, monsieur, je m'en occupe. Ah. J'en ai mal à ma propre gorge. J'espère qu'il est frais le morceau de barbac. Où je tire? Je fouille, hein. Ah, vous avez obtenu des clés. Je m'enferme dans cette pièce. Non, c'est impossible. Putain, mais meurs. Ah oui, j'ai oublié de lui écraser la tête. J'avais oublié que si vous leur écrasiez pas correctement la tête, c'était la merde. J'ai usé une balle pour rien. Ah, je suis déçu de moi. J'ai honte. J'ai usé une balle pour rien. Oh bordel. C'est quoi ça? Je me casse. Je me casse. Ah. Oui, c'est bon, j'ai compris. Bonjour madame. Baisse-toi. Ça va? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Alors tu m'excuseras, j'ai que 6 balles parce que j'ai fait une connerie, j'en ai usé une. Pour rien. Il s'est quand même bien esquivé en voiture. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi? Des flics? Ouais. Léon Kennedy. Et toi? Claire. Claire Redfield. T'es du coin? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Ah, mais je suis sûr que ça va être une ville très agréable. Il a un sacré zoom ce rétro.
Resident Evil 2. Ah, je préviens, je vais le faire tout le temps. Hein. Je ne dirai jamais tout. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous il y a une petite grippe. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. En plus de ça, il y a une belle route dégagée. Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Ah, non, un chemin presque dégagé. Je crois qu'on va devoir marcher. Ah, il y en a qui ont une petite faim. Courir plutôt. Tu marques un point. Oh la vache! Léo, il faut que tu recules. Non, sans blague, tu crois? Oh non, pas lui! Claire, sors d'ici! Allez, vite! Je peux pas! Accroche-toi! Aïe! Les airbags étaient pas encore homologués à cette époque. Ça va, tu connaîtras pire dans la suite. Claire, Claire, ça va? Oui, moi ça va. Et de ton côté? Le scénario nous a séparés, il faut qu'on se barre. C'est trop dangereux. Pars tout seul. On se retrouve au commissariat. Entendu. Oh merde. C'est l'apocalypse. Oh là là. Alors je vais juste modifier un peu le son. Alors non, hein. Toi tu restes loin de moi. Faut que j'aille par où? Ah, peut-être par là. Quelqu'un pourrait m'indiquer le chemin? Ah oui, c'est bon. Merde. C'est tout le monde. Ils sont tous transformés. Ils ont pas la forme, hein, faut dire. Total de followers, c'est un nouveau follower. Ben, je sais pas qui était la nouvelle personne qui s'est follow, mais merci. Ah, le voilà, le commissariat. J'ai 6 balles, je suis un petit peu just. Ah, 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 non, non, éloigne-toi. Vite, 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 vite. Ah, maintenant derrière c'est gris, je suis sûr que je suis en parfaite sécurité. Bon, ça me laisse le temps de fouiller un peu. Je sens qu'il n'y a rien, mais par principe, hein, je fouille.
Et il y a que dalle. Il y a que Pouic. Ah. Mais que fait la police? Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je pense que je vais pouvoir jeter l'autre clé pourrie. Hein. Au fur et à mesure, oui. Je connais le jeu. Hein. Ouais, je vais déjà. Tamara, eh ben, Nani, oui, Nani. Petite sauvegarde. Jouons la sécurité. Alors. Trop happy. Il y a forcément quelqu'un ici. Oui, quelqu'un qui va bientôt mourir. C'est pas bon ça. David, Marvin, vous m'entendez? On a un moyen de sortir. Tout est là-dedans. pour te faire enfoncer. Ah non, mais là. Envoyez des renforts dans le couloir est. Je vais faire une partie où c'est que je vais absolument pas mourir. C'est même il certain. Faut que j'aille l'aider. Je le dis avec beaucoup d'assurance. Mais avant, je pose du bordel. Ah non, du scotch m'empêche d'ouvrir cette boîte. C'est tellement compliqué d'utiliser du scotch. Je n'ai pas moi une clé pour couper lentement le scotch. Sauf si c'est un scotch renforcé, mais bon, c'est probablement pas ça. J'ai appris récemment que le 3 se passait 24 heures avant le 2. Et c'est trop bien les refs. Ah bah oui hein. Voilà, il y a une clé. Oui, hein, je vais pas pouvoir m'empêcher de faire toutes les blagues possibles sur tout le fait que voilà. Hein. Il y a trois emplacements. Je me demande bien ce qu'il faut faire avec ces trois emplacements. Je suis sûr que ça déverrouillera certainement pas un passage secret qui me permettra d'aller plus loin dans le jeu. Bon, je continue quand même un peu de checker. Je considère que c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. C'est une très très mauvaise idée. N'avance pas. D'après les marques de sang par terre, j'ai deux conclusions. Soit une femme a perdu les os, soit une femme a eu ses voilà. Ah non, mais là, voilà, hein. Je suis sûr que personne n'a eu de problème dans cette pièce. Alors. Dommage que Léon n'a pas un peu d'intelligence parce que au pire tu mets juste un bout de métal et ça passe. Hein. Bon c'est pas très sûr niveau électrique mais tu t'en fous, tu vas pas y rester longtemps. Alors avec toute l'eau qu'il y a au sol, je pense que oui on peut partir sur l'hypothèse d'une femme a perdu ses os, hein, Tamara. Je sens la mauvaise idée. Je crois qu'une personne a laissé ses chaussures ici. Ça va aller. Non mais, comme il dit ça, on dirait qu'il se rassure lui-même. Ou alors il essaye de me rassurer. Mais bon, ça veut dire qu'il entendrait ce que je dis. Et c'est pas rassurant. T'as un bébé géant qui va tomber du plafond, genre coucou, tu veux pas. Non mais, les coups de pute hein, avec Capcom, hein, on a l'habitude. Hein. Genre parce que je dois rappeler qu'il y a quand même un mec qui a besoin d'aide, mais je prends bien mon temps. Hein.
J'entends des bruits. J'entends. Ah oui, il y a un cadavre. Je peux pas donner un coup de pied pour lui écraser la tête histoire d'être sûr. Je sens la connerie, les mecs. Non mais ils me prennent pour un con. Il y a un gros bouton et un cadavre juste à côté. Ça sent le coup de pute. Sont les mecs les plus curieux et les cons dans ce genre de situation. Non mais c'est sûr là. Là je vais me faire niquer, c'est certain. Allez. Je pointe. Si tu bouges, je te jure mec, tu vas prendre cher. Pourquoi c'est une idée à la con? Je suis sûr qu'il y a un truc à trouver. Il y a une petite note, un petit indice. Alors non, hein, je finirai pas le jeu en une heure. Hein. Ah mais Gears of War, c'est du bourrin, c'est tout. Ah zut, il faut que je maintienne. Je jure que s'il y a quelqu'un qui s'approche de moi... Non mais là il te rassure, il te montre, oh voilà, il n'y a pas de danger, tu peux y aller. Ils te prennent bien pour un con, puis le moment venu, tu vas te prendre un gros zombard sur la tête. Je refuse d'ouvrir la porte de ces chiottes. Je sens la connerie. Je sens la connerie. Il y a quelqu'un qui a juste eu besoin d'aller aux toilettes. Et les bruitages des personnages meilleurs que ceux de Link. Ah ben. Je vois bien là une fée stupide te dire toutes les 30 secondes en jeu. Hé, hey, listen, tu dois avancer pour pouvoir savoir si tu vas te faire bouffer par un gros zombie. Bon sang. Je refuse. Non. Quelque chose me dit qu'on va avoir qu'une moitié. L'autre main, allez. Vous inquiétez pas, il vous manque juste une partie du tronc. Je crois qu'il y a besoin de se soucier de ça. J'ai un petit carnet de notes qui va m'être très utile. Je vois que c'est très utile. Il y a un truc mystérieux qui permet de relier le parking et le commissariat. Ok. Non, dégage, dégage. Putain, mais c'est pas possible. Et une balle de gâché, tiens. Approche. Mais c'est pas possible. Alors, moi, personnellement, dans le doute, hein. Voilà, hein. Ah mais t'es sérieux? Tu te relèves juste là? Ah, non. J'aime pas les cas là. Je sais, je gâche des balles pour rien, mais bon.
Mais c'est pas possible, il est fait en quoi ce loup? Oui, ça servait à rien, j'ai gâché des balles, je m'en fous. Bon. Bon, maintenant je la joue sérieux. Ou pas. Ah, mais c'est pas possible. Hop, non. Merde, ils sont partout. Je ne crains rien, je suis dans une autre pièce. Pour tuer des zombards et des... et fuir, ce n'est pas le moment où on tue le Harry Potter. Ah non mais là... Attends. Est-ce que vous voulez bien passer par là? On va faire comme dans les magasins, on fait une petite file d'attente. Ah merde! Là! Je refuse les câlins! Ah, je sens la connerie! Je sens la connerie! Non, c'est bon! Non! Lâche-moi! Lâche-moi! Tu connais le pouvoir des escaliers magiques? Ah bah! Moi, je connais le pouvoir des portes magiques. En sécurité, pour l'instant. Merci. Marvin Brana. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. T'as pas pu. Hey. Tu me sembles un peu pâle quand même, hein. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. Tu mets un grand escalier, ils viennent pas. Qu'est-ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière. Merci pour la métaphore. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Et voilà, il a déculassé le truc, il a mis du sang partout, bah c'est non, malin. Non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. On en parle que tous les flics sont chauves. Tu dois d'abord sauver ta peau. Ah bah oui, Tamara. Hein. Mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniformes ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues ou tu cours. Compris? Compris. C'est vrai que dans l'épisode 2, il fait vraiment genou, hein, Chris. Hein. Alors, dans le doute, j'aimerais bien te tuer. Je vais me balader constamment comme ça. Dans le 3, on sait comment il s'est blessé avec sa perceuse. Tu es nul. Voilà ce que je te dis, sergent. Bon, commençons à fouiller. Ah bah oui, non. Alors, comme je sais pas combien de trucs je vais devoir choper et que j'ai pas encore de grande place, je vais poser un soin qui ne me sert pas pour l'instant. Voilà. Parce qu'il a failli se faire buter. Je suppose. Ah pétain. Un code.
Alors. Un lieu. Putain, mais je peux pas zoomer, quoi. Vous savez que j'ai pas des bons yeux, les gens. D'ailleurs, c'est quoi? Un lion. Putain, mais le lion, il l'a fait avec des lunettes, en fait, je crois. Un lion, un truc griffonné. Stars! Non, mais tu sais, je connais le. J'ai connu les deux. J'ai connu les trois premiers, hein, du moins avant les remakes. Hein. Donc, après, ce que je découvre, c'est les trucs qu'ils ont rajoutés ou qu'ils ont modifiés à l'histoire. Tamara. Alors, le code. Ah, un lion. Ah bah, du premier coup. C'est les chances du débutant. Donc Elliot avait raison. On dirait, et le passage est encore fermé. Tu sais, après les spoils, moi ça m'affecte pas trop. Hein. Bon, fouillons. Une plante verte. Je suis sûr que c'est quelque chose qui va me détendre pendant les moments de stress intense. Oh, une brochure. Le saviez-vous, Raccoon City n'est pas seulement le berceau d'Umbrella, géant de l'industrie pharmaceutique. Elle a également une histoire riche et passionnante. Ce guide vous présente quelques-uns des aspects insolites de la ville. Commissariat de Raccoon City. Le bâtiment situé en plein cœur de la ville n'a pas toujours été un commissariat. Il abritait autrefois un musée. Certains éléments, comme son horloge pittoresque et la statue de déesse, s'il vous plaît, monsieur, évitez de faire trop de bruit, de déesse dans le hall principal sont les vestiges de cette époque révolue. Oui, je vais les faire tous comme ça. Orphelinat. À quelques rues du commissariat se trouve un orphelinat fondé et géré par Umbrella. Oh, qu'est-ce qu'ils sont généreux chez Umbrella, hein? Avec l'aide généreuse d'entreprises de particuliers, le bâtiment est célèbre pour son vitrail qui attire les visiteurs venus du monde entier. Et putain, c'est quoi cette brochure qui fait 3 pages? C'est vraiment une brochure de merde. Vous pouviez pas me donner un code ou un truc comme ça? Eh merde, j'ai pas la clé. Bon, je sais que Raccoon City maintenant est une ville pittoresque. Flemme de tout écrire, genre, voilà l'anecdote sur Discord. Bah vas-y, hein, y a pas de souci. Hein. Bon, je te dis pas que je vais la lire tout de suite, mais au moins ça intéressera tous les gens. Puis au passage, j'essaierai de remettre le Discord. Non, la porte est bloquée. Je me dis pas que je vais devoir passer par le lieu qui fait peur. Ah, non. Oui, des balles. Maintenant que j'ai visité ça. Ah oui, c'est vrai, je peux couper maintenant le. Parce qu'avant, j'étais trop nul pour pouvoir couper le scotch. C'est pas comme ça que j'imaginais mes premiers jours. Alors, on peut dire qu'ils savent être accueillants dans cette ville. Hein. Est-ce que je peux déjà combiner.
Ah, voilà. Les bases de la survie en trophée. Y a pas l'air d'avoir autre chose. Et quand même, le mec, il a vraiment du bol, hein. Il débarque un jour de temps de merde. J'aime pas les lieux sombres, monsieur. Et surtout quand il y a une sorte de musique bruit étrange qui s'active. Ah, bon, on peut dire qu'il a un beau sourire, hein. C'est quoi? Un mec pan... Putain, elle embroché violemment. Alors, je ne vais pas aller là, je vais aller là. Non! C'est pas juste, mais c'est quoi ce commissariat de merde? Oh, une fenêtre ouverte! Tu veux que je la scotche la fenêtre? Mathilde. Ah putain, j'ai oublié que ça. Forcément, hein. On va apprendre les techniques de du couteau. Ah, mon couteau. Là, là, là. Allez. Oh, mais lâche-moi. D'abord, tu me rends mon couteau, hein? S'il te plaît. Mais reste au sol! Tu restes au sol! Pas besoin de flingue. En trophée. Comment il s'appelle l'autre? J'en ai aucune idée. Bon, je suis un petit peu malade. Ça va mieux. Comme quoi, faites toujours confiance aux plantes pour vous soigner. Rapport. Le commissariat est converti en abri temporaire pour faire face à la soudaine montée de violence. Tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens alors que nous tentons d'en accueillir un maximum sur place. Super idée, Jean-Louis. L'un des réfugiés nous a attaqué au milieu de la nuit, faisant un mort et trois blessés parmi les officiers. La personne en question a rapidement été maîtrisée. Nous pensons qu'il s'agit que d'une réaction au stress intense. Oui, c'est sûr, il essaie de mordre les gens et de les bouffer, mais c'est forcément du stress intense. Le 26 septembre, une foule a attaqué le commissariat, faisant de nombreuses victimes. Quelques survivants sont parvenus à passer derrière les stores de sécurité, mais nous sommes cernés. Nous aurons du mal à sortir d'ici. Nous ne serons peut-être pas en mesure de rétablir les communications et sommes donc coupés du reste du monde. Cool man. Ok. 27 septembre. Une nouvelle attaque est survenue du côté ouest du commissariat vers 13h. 12 personnes sont décédées. Il ne reste qu'une poignée de survivants. Tout sombre dans le chaos. David Ford. Oui, j'ai dit Ford alors que j'aurais dit Ford. Mais je m'en fous, je casse les pieds.
Est-ce qu'il y a un truc à... Ah, voilà. Plan du commissariat. Alors, bon, je peux pas accéder à ça, mais je peux... Non, je peux pas accéder à ça, plutôt. Mais il y a l'air d'avoir tout un tas de lieux à explorer. Chambre noire. Salle des casiers. Ah, peut-être que je trouvais de l'armement, là-bas. Pourrais-je trouver une bombe thermonucléaire, s'il vous plaît? Oh non! Il y a une chaîne! Les mecs de Raccoon City, c'est tellement des escrocs, la ville brûle et se meurt. Eux, ils disent, non, tout va bien, c'est rien, c'est fait exprès, c'est contre les microbes. Ah bah c'est sûr que le port du masque, il aurait été complètement renié hein, dans à Raccoon City. Hein. Il a une tête fin. Les bras t'en tombent, hein! Je crois qu'il est mort. Oh, toi, c'est sûr. Ah! Je le savais que tu faisais semblant de dire que t'étais mort! Tiens, je te coupe les tendons, on en parlera plus. Ah, zut, j'ai cassé mon couteau. C'était un couteau mou. Poudre noire. Ok. Usage de la poudre noire. Deux poudres noires, des munitions pour ce pistolet. Poudre noire plus poudre supérieure jaune, des cartouches pour fusil. Et magnum, c'est deux poudres supérieures jaunes. Ça lag un peu. Attends, je vais faire un truc. Ça devrait atténuer le lag. Je vais recharger et je vais... essayer de modifier la source. Histoire que ça lag un petit peu moins. Donc j'espère que ça lagra moins à la suite de ça. Mais je savais même pas qu'on pouvait péter notre couteau quoi. Pour moi le couteau c'est l'arme par excellence qui devrait pas se casser mais bon. Ah j'arrive pas à... Ouais, bah de toute façon, il y a toujours du retard avec. Je sais pas pourquoi, quand on stream sur console, il y a toujours un décalage. On s'en excuse, mais c'est un peu problématique. On n'est plus qu'à 4 ici. Pas d'armes, pas de munitions, et les affrontements nous ont épuisés mentalement et physiquement. On ne sortira pas. L'officier Philippe a suggéré une fuite par les égouts. Apparemment, il y a un tunnel secret qui date de l'époque où cet endroit était un musée. J'avais rejeté son idée, mais maintenant, elle ne me paraît pas plus si mauvaise. Rien ne prouve que ce tunnel existe, ou que les égouts ne sont pas infestés de zombies, mais je ne peux pas attendre la mort ici. C'est risqué, mais je vais essayer de trouver les informations sur ce tunnel. Eh ben ok, hein, Philippe. On espère que tu auras trouvé les informations avant de mourir. Il faut que je trouve un couteau de rechange. Léon, est-ce qu'il y a une idée ? Votre première affaire est très spéciale. Votre mission est d'ouvrir votre bureau. La clé de la réussite se trouve dans les initiales de nos prénoms. Entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux. Il y a deux serrures.
L'une de chaque côté de votre bureau, ouvrez les deux. En gros, votre première tâche est de vous souvenir du nom de vos collègues. Mais vous aviez compris, pas vrai? Bonne chance, Léon. Au fait, il se peut que l'officier Scott ne soit pas très coopératif. T'as de la chance de pas être là, le bleu. Putain, tu m'étonnes que j'ai de la chance de pas être là. Alors, entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux. Il y a deux serrures, une de chaque côté de votre bureau. Putain, mais c'est quoi ce bizutage à la con? Alors. Super. Alors, attends. Neil. Ah merde, attends, je sais plus c'est les noms ou prénoms. Entrez les lettres dans l'eau. Les initiales de nos prénoms. Alors, Neil. N. N. E. Elliot. D. N. E. D. Bon. N. E. D. Nickel. Je te jure, tu te réveilles, mais je t'explose la gueule. Forcément, j'aurais dû m'en douter. Je suis sûr que c'est toi qui est pas très coopératif. C'était David hein, qui était pas coopératif, donc D si on compte David, c'est ça? Ah non, c'est Scott. Donc S. S, 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 R, S, R, M. S, R, S, R, M. Il n'y a pas de S. Putain, comment tu t'appelles, connard? S, R, M. Et merde. R, M. Ah mais... R. Bon, c'est bon. C'était du au pif, mais ça a marché. Voilà. Mathilda maintenant a un chargeur grande capacité. Je suis un bricoleur. Bon, est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais loupé? Pour l'instant, je peux pas ouvrir le coffre. À l'époque, c'est qu'on trouvait des trucs sur les morts vivants. C'est qui s'est réveillé? Je te jure, si tu sors, je te frappe. Welcome, Léon. Alors toi, hein?
Je te jure que ça va chier. Je m'occuperai de toi après. Putain, mais... Oh, génial. Un, zéro, deux. Ah, comme par hasard, il manque des boutons. Oh, l'arnaque. 4, il n'y a rien. 6. 1, 0, 6. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré ? Une pellicule. Pellicule de développement. Oh, des balles. Bon, ça, il me faut un truc spécial. Ah non, mais de toute façon, les gens, je vous jure que ça va être drôle au début. Hein. Bon, tout ce qui est là, je peux pas l'ouvrir pour l'instant parce que bah j'ai pas. Terminal des casiers. Il semble que certaines touches manquent sur le terminal des casiers. Je conseille aux responsables de trouver des touches de rechange et d'arranger ça. Fils, tu sais de qui je parle, enfoiré, qui d'autre aurait pu déglinguer ça? Ok, donc il y a un connard. Hein. Je sais pas combien de balles je peux porter sur moi. De toute façon, faudra bien que je teste un moment ou un autre. Un nouveau follower. Ah bah merci à toi, Xacidvibis. Je sais pas si j'ai bien prononcé parce que de toute façon, je suis pas doué pour prononcer certains mots. Mais merci à toi. Pourquoi ? Je veux pas aller par là. Ah, la porte est fermée. Là, j'avais vérifié, il n'y a rien. Là, il y a l'autre connard qui est en train de s'acharner. Donc ça sert à que dalle. Je déteste quand le jeu te dit va à un endroit. Ok, je pense que ça doit permettre de clore les portes. Pour éviter d'avoir du bordel. Alors, vertu des plantes. L'homme utilise des plantes pour soigner les maladies depuis des temps immémoriaux. Oui, je modifie le texte parce que ça fait plus classe. Cet ouvrage analyse les plantes médicinales natives des monts Arclay. Les plantes vertes soignent les blessures sans gravité et les plantes bleues sont utilisées depuis longtemps contre les empoisonnements. Donc oui, depuis des années, on s'est dit, on va élever des plantes vertes juste pour nous soigner. C'est-à-dire que si vous voyez une plante verte, vous appliquez une plante verte sur la gueule, ça marche. À tous les coups. Les plantes bleues sont utilisées depuis longtemps contre les poisons. Pareil, si elles sont bleues, pareil, pas de soucis, poison, ça marche. Quant aux plantes rouges, elles n'ont, malgré leur beauté, aucun effet thérapeutique. C'est du moins ce que je pensais jusqu'à récemment. On savait que la combinaison de plusieurs plantes améliorait les effets, mais on a découvert que les plantes rouges étaient utilisées lorsqu'elles étaient correctement associées. D'après un expert en médecine asiatique... Pourquoi dès qu'il y a des plantes, faut que ça soit un asiatique? C'est un cliché! Arrêtez! C'est. Un mélange de plantes bleues et rouges renforce la constitution. Nous commençons seulement à réaliser le potentiel de ces plantes et leur capacité à soigner le corps. Ces analyses poussées donneront sans doute des résultats fascinants. On va faire une petite sauvegarde. Attends, je vais vérifier qu'il n'y a pas des choses à explorer dans les casiers. Ouais, je crois que j'ai peut-être atteint bientôt le maximum de balles. Poudre noire... Je vais la laisser pour l'instant, la poudre noire. Parce que j'en ai déjà. Voilà.
J'ai pas allumé la lumière. Ah bah oui, j'ai un casier, donc à côté je suis con, je peux... Ah, donc ça, ça devrait me permettre de développer... Ah, plante rouge. Les pellicules contiennent des preuves, ne les laissez pas traîner. Je vais déposer donc, tout ce bordel. Pellicule, je vais en avoir besoin. Spray, je le garde. Pour l'instant, je dépose la poudre noire. Je vais la prendre pour pouvoir la déposer, histoire d'avoir du stock. Voilà. Alors, photo commémorative. Ok. Donc ça servait que à ça. Bon, ok. C'est pas grave, hein. De toute façon c'est toujours utile. Si je dois repasser parce que je me suis planté, je le ferai. Donc je monte en courant. Je sais pas si bloquer la... Je peux encore porter des munitions. Mais je vais rester éconnu. Oula! Oh là là! Ça va être compliqué là. Voilà. Voilà, reste là. Parfait. Ah, j'aurais dû m'en occuper en bas. Ah, lâche-moi! S'il te plaît, dégage. Donc là, je peux pas passer sans le truc, donc je me suis... Ah là là. Je me suis foutu dans un beau merdier. Oh, coffre portatif. Vous pouvez examiner un objet sous tous les angles en le sectionnant et en utilisant la commande gna gna gna. Ah, j'avais presque. Je fais n'importe quoi. Yes. Expert en cambriolage. Et donc, ça me donne accès à... pièce de rechange, un petit objet en plastique. Ah oui, c'est pour les codes, en gros. Appuyez sur une touche pour allumer la lampe correspondante, allumer toutes les lampes pour ouvrir le coffre. Putain, c'est le système de coffre le moins sûr du monde. Les touches doivent être enfoncées dans l'ordre. Une seule erreur éteindra les lampes et vous devrez recommencer toute la séquence. Ok, mais j'ai pas de pompe. Est-ce qu'il y aurait un papier dans le coin qui pourrait me donner un indice sur le code? Là, ça sert à rien de passer. De toute façon, si je passe et que je peux pas, je vais me prendre la gueule!
Bordel de merde! J'aurais dû m'en douter. Je fais n'importe quoi. Je sais que je devrais plus les esquiver, mais bon. C'est compliqué pour l'instant d'éviter les monstres. Nickel. Abusons pas quand même des bonnes choses. Je sais toujours pas le code pour celui-là. Pourquoi il y a... Ah oui. Oh, cool. Ça m'emmerde un peu là. C'était quoi ça? Aux survivants éventuels. Considérez ceci comme un cadeau destiné à ceux qui ont la malchance d'être en vie. Restez à l'affût de ces atrocités qui ont l'air d'avoir été écorchés vifs. Les liqueurs. Ils sont complètement aveugles, mais ils compensent grâce à une ouïe très développée. Tant que vous ne courez pas partout comme un abruti en tirant sur tout ce qui bouge, vous devriez vous en sortir avec un peu de chance. Quoi qu'il en soit, avancez aussi lentement que ma grand-mère quand vous passez à côté d'eux. Bon, c'est pas que j'ai envie d'y aller, mais le devoir m'appelle. Et puis j'ai un copain à venger, David. Je peux pas le prendre. C'est quoi cette merde? Léon, c'est Marvin. Il faut que tu reviennes immédiatement. Tout va bien, Marvin? Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris. J'arrive tout de suite. Ah, je peux pas sauter. Donc, ne pas tirer. Et ne pas se casser la gueule dans le gros trou. Ça aurait été aussi une bonne chose. On a bien eu besoin du couteau là. Hein? Ah, je peux pas la refermer derrière moi. Cinématique. Te voilà. Approche. Regarde. C'est elle. Elle s'en est sortie. Oh, tu la connais? Ouais. Elle s'appelle Claire. On est arrivés ici ensemble. Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur, côté est. Compris.
Merci, lieutenant. Ah, je vais pouvoir passer par là. Avant ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas de pompe, donc ça ne sert à rien. Ça, je vais le déposer. On va laisser ça tranquille. Yes. Je peux retourner au bureau. En fait, avant de retourner au bureau, je vais aller chercher le couteau. Parce que je pense que ça peut m'être utile. Ça sert pas à grand chose de me soigner tout de suite. Je préfère attendre d'être à la limite. Oula. Donc ouais, les mecs s'excitent. Voilà. Ah zut. Un petit détour. Et voilà. Ah c'est quoi ça? Livre rouge. Bah je vais le prendre et me casser. Alors, examiner. Livre en plastique, un objet en plastique en forme de livre. Il y a une marque de main qui devrait. Ah, donc ça, c'est à mettre sur une statue. Ça, c'est un grand classique. Mais où la mettre? Pour l'instant, je sais pas trop, donc pour l'instant, je préfère laisser le livre en arrière et me garder une place. D'ailleurs, je pense pas que j'ai place infinie là-dedans. Hein. Ouais, faut que je fasse gaffe. Bah, la clé, clé usée, je vais l'acheter. Hein. Je vais me soigner finalement. Il est disparu l'autre? Où il est? Il est toujours dans son bureau. C'est vrai, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Je prends les munitions et je te laisse derrière. Alors normalement. Alors j'aurais pu pouvoir ouvrir tout ce qui est de ce côté là. C'est quoi là? Ah c'est une 2-3. Donc ça veut dire faut que je... Et je parie que je peux pas la récupérer donc... C'est... De toute façon j'ai l'impression que là pour celui là faut les deux. Ce qui serait assez logique. Ça c'est des balles de pompe. Et le pompe est là. Est-ce que ça peut s'ouvrir ça? Non, bon. Je voudrais essayer un truc. Est-ce que ça bloque bien les entrées ou est-ce que c'est de la merde? Quelque chose me dit que c'est de la merde. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir usé un truc pour rien. C'est pas grave. Alors toi, j'en ai marre. Hein. Et il me fait des petits pas en plus.
Défense d'entrée en trophée. Bon, là, il a la caboche explosée. Je suis déjà allé là. De toute façon, hein, je tourne, hein, j'essaye de trouver les choses. Ah, il y a bien des trucs que... qu'est-ce que ça pourrait être le code? Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de trucs qui l'indiquent. Si, peut-être un indice autour. Je fais gaffe parce que souvent dans les Resident Evil, l'indice il est autour de soi, donc... J'ai pas grand chose qui m'aide là. C'est une plante verte qui sert à rien. C'était quoi ça? Bon tiens, cette fois je la prends de la poudre. Allons voir dans le coin glauque au fond. Ah, nickel. J'ai récupéré une sacoche. Ah, griffonnage de quelqu'un. Besoin de place sans trophée. Que ces enfoirés en costard aillent au diable. Ils se sont débarrassés de moi après tout ce que j'ai fait pour eux. Puisque c'est comme ça, je vais m'amuser un peu avec la fin du monde. J'ai enfermé tous ces sales pourris en cage et posé un pain de C4. J'ai plus qu'à le faire sauter et adios les tocards. Mais c'est pas marrant si c'est trop rapide. Alors je donne je n'aurai peut-être cet arrêt de quoi couiner. Excusez-moi les gens. Je donnerai peut-être un jouet et je leur dirai tue ce mec et j'épargnerai les autres. Je me demande ce qu'il fera. Tu parles de justice et de fierté, mais combien de fois tu t'es opposé à moi, ton supérieur? Ouais, t'es un flic parfait, si parfait que tu devais mourir. C'est marrant, il me faut de la musique. Et on a affaire au parfait psychopathe. Ouais, donc là, en gros, pour accéder à ça, il faut faire exploser le pain de C4. Donc, il faut un détonateur. Logique. Alors, c'est quoi, ça? Toujours plus de munitions. Vu que j'ai récupéré... Je vais récupérer une des planches, ça sera utile. Pour plus tard, je pense. Bon. Donc là, je peux pas aller par là. Moi, pas tout de suite. Je vais récupérer cette petite plante, qui n'est pas une plante récupérable. C'est une plante en plastique de merde. Bon, là, il va falloir faire un peu de ménage. Hein. Oh. Ah, il était pas mort. Ah mais j'ai appuyé sur le bouton, il était trop gros. Bon, je suis plus qu'à la moitié du couteau. Un peu problématique tout ça. Je vais voir ce qu'il y a par là. Oh, ça c'est pour donc un des autres symboles.
Donc le salon, statue de la licorne, là j'aurais accès à une partie d'autre chose. C'est pas une, cette porte-là qui était bloquée. Et merde. Recharge. On attend qu'ils arrivent. Ça a l'air d'être bon. Un petit soin serait le bienvenu. Alors, le carnet. Alors, la licorne, il fallait que je fasse quoi comme. Je vois strictement rien. Un scorpion. Une jarre et le dernier, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Excusez-moi. Ah, c'est bon. Nickel. Ah mais... Ils sont vraiment, je trouve, encore plus résistants qu'avant, les monstres. Faut vraiment essayer de les esquiver au maximum, hein. Bon, là, j'étais vraiment obligé. Donc là, il me faudra un cric. Bon, de toute façon, moi, j'ai éliminé tous ceux qui étaient là. C'est déjà... Ça me rend déjà la tâche un peu plus sympa. Bon, je sais qu'ils vont repopper, hein, pour certains. Mais si je comprends bien le système, en fait, ils vont pas repopper comme ça, ils vont repopper si genre il y a les, ils ont des raisons de repopper, genre par exemple s'il y a une fenêtre ouverte. On va aller. Oh, les trucs là? Non, je croyais. Ouais, la porte, elle a été bloquée. Je peux retourner là. Ouais. Ça, je l'ai fait. Est-ce que j'ai pas... Qu'est-ce qui me manquerait encore pour l'instant? C'est pas le même symbole. Ah, si, je peux y rentrer là. Vous pouvez vous débarrasser des objets déjà utilisés et marqués d'un symbole. Ah, donc en gros, j'ai plus besoin de ça.
un truc qu'il faut que je fasse, c'est je vais récupérer un soin. Je vais récupérer le soin que j'ai laissé, on sait jamais. Jouons la sécurité. Dans le jeu, des fois, faut mieux être trop prudent que pas assez. On va faire une petite sauvegarde. Parce que là, je peux encore me faire mordre une fois. Ouais, je peux encore me faire mordre une fois. Même si techniquement la morsure impliquerait la mort, mais on va pas le dire, hein. D'hélico. Je crois savoir pourquoi, mais j'ai pas envie. Oh. Toi, il te manque une main. Et il me faut un coffre. Oh, carte d'accès pour l'arme. Les pierres rouges. Le rubis qui captiva le prince Édouard de Woodstock. La pierre qui que put la reine du Nil. Bute le roi de la... Le diamant qui mena une reine à la guillotine. Les histoires liées à l'attrait excès par les pierres précieuses de son légion. Ces mystérieuses pierres rouges... n'est que la dernière d'une longue liste. Comme les autres pierres, d'origine de celle-ci est inconnue. On dit qu'elle orna déjà la boîte bijoux d'un noble et qu'elle fut même attribuée à un roi sage. Cet automne, une pierre auréolée de mystère sera exposée à l'occasion des enchères. De nombreux passionnés devraient s'y bousculer. Mais chers lecteurs, faites preuve de prudence, car le mal est tapis dans l'ombre de la beauté. Cette pierre a transformé les nobles soucieux de leurs sujets en despotes plus terribles que Caligula, et nos histoires le prouvent. C'est le sang versé pour ces joyaux qui les rend si brillants et corrompt le cœur de leurs propriétaires. Ok. Donc là, j'ai pas de quoi l'ouvrir. Ah, je peux superposer. Ça, c'est cool. J'ai pas envie. Bon, on va aller déjà chercher l'arme, le fusil à pompe. Oui, hein, moi je vous dis prudence, hein, et mère de sûreté. Et je ne vais pas faire un live où c'est que je fais le jeu en 30 secondes, je fais un long live. Le peupon. Voilà.
chiant, on peut plus combiner depuis l'inventaire. Voilà. Là. Quatre balles maximum, c'est pas grave. Ça, on va aller le poser quelque part. Tout ça c'est fait, je me sens un peu plus en sécurité. Du moins, en étant mieux armé, je me sens un peu plus en sécurité. Je peux pas les... C'est pas... Je vais avoir besoin de ça. Ah. Fais une petite sauvegarde. Oui, je vais laisser douiller Léon pendant un moment. De toute façon, je pense qu'il n'y a que ça qui est utile. Je sais pas à quoi ça sert. Je crois pas encore avoir croisé de statue qui le nécessite, mais on verra. Avançons pour l'instant. Oh, tiens, une plante. J'arrive tout de suite. D'accord. Oui, c'est sûr, c'est une bonne idée. Claire, je suis content de te voir. Comment tu vas? Cet hélicoptère est sorti de nulle part. J'ai rien de cassé. Évidemment, aucune de ces poches contient la clé, je me trompe? Malheureusement, non. Toi, comment tu t'en sors? On va dire que je survis. Tant mieux. Des nouvelles de ton frère? Non, pas encore. Claire, garde espoir. On finira par le retrouver. Je sais pas pourquoi, mais ça, je sens que ça va attirer du monde. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. C'est l'heure du dîner. Claire, reste pas ici. T'en fais pas pour moi, Léon. Fais attention à toi. Claire, va-t'en de là. Allez. Hey, on va s'en sortir, tous les deux. Alors dans la théorie, oui. Dans la pratique, ça dépendra de si je m'en sors. Marvin,
Ça chauffe par ici. Ça grouille de zombies. Marvin, vous me recevez? Marvin? Mais... merde! Coupe-moi ça. Pas gâché. Oh, que... je sais pas si ça bloque beaucoup, mais au moins. Ah, ça veut dire que je peux pas repasser par là. J'ai bien fait de prendre le pompe. On va déjà s'occuper de toi, mon gros. Là, on va repasser sur le pistolet. Je m'occupe de la porte. Et moi, la fenêtre. C'est ce que je dis comme truc. Toi, t'es pas mort. Ça, c'est la merde. Ah, je peux pas le récupérer tout de suite. Ouais. Je doutais bien que t'étais pas mort, toi. J'ai pas la place. Beaucoup de choses que j'ai pas encore la place. Pareil, j'ai pas la place, c'est pas grave. Chier parce qu'il me reste une balle de pompe en réserve, elle me fait plus chier qu'autre chose. C'est pas grave. Est-ce qu'il y aura d'autres choses à récupérer à part ça? Ah, qu'est-ce que c'est?
Ah, poudre jaune supérieure. Ouais, ça me permettrait de faire le. De toute façon, je suis comme ça, au moins, je récupère ma santé. Non. Je vais d'abord faire ça. Puis ensuite, aller chercher la poudre noire qui traîne là. Ben voilà, je suis en mode économie de place. Elle est où la poudre noire? Poudre noire. Et c'est une technique secrète, on peut appeler la poudre noire comme ça. Voilà, comme ça je superpose les munitions et je suis tranquille. Et je peux récupérer ça. Voilà. Je sais pas s'il y aura d'autres choses à récupérer. C'était une mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée. Dans mon petit, je refermerai la porte. Mais mon personnage n'a pas l'air de vouloir. Salut à toi, Bahamas 56. Qu'est-ce que je peux reposer qui, pour l'instant, me semble pas utile. Ça, je pense que faire du coupe-coupe, ça va être utile. Je vais sauvegarder avant d'aller voir notre cher ami parce que je sens là la fumisterie. Alors, comment tu vas? Pas bien. Toujours vivant. Toujours vivant. Toujours debout. Lui que je me suis toujours pas occupé, hein, qui est toujours là. C'est compliqué de passer. Madame, vous obstruez le passage. Pas possible ça. Comme un gros trou. Ça, je suis sûr que c'est une couille. Ça se voit, hein. Fais pas semblant de dire que t'es mort. Là, là, il y a que dalle. J'avais pas laissé une poudre derrière moi. Je vais peut-être laisser une poudre parce que je manquais de place. Ah non, c'est ça. Là, je vois, j'ai aucune idée de comment récupérer ce code-là en fait. Parce que je me dis dans ma tête, ça doit être autour. Généralement, ça dans Resident Evil, c'est que c'est autour. Ouais. Je suis tout propre maintenant. Mais j'ai pas pu résister à l'envie de faire l'idiot. Non! Non, 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 non! Non, 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 non! Vous ne m'aurez pas. Comme par hasard, vous me donnez des munitions juste avant. Je connais, hein? Je connais Resident Evil. Vous ne m'aurez pas comme ça. Toi aussi, hein? Je suis sûr que. Je suis très très à la discrétion. Il ne.
Tant que je ne tire pas, il ne sait pas que je suis là. Je passe la porte tout doucement. Est-ce que je peux bouger un peu plus vite quand même? Une pile. Je sais pas pourquoi une pile, donc je vais pas la prendre tout de suite. La plante, je la récupérerai plus tard au pire. Alors, qu'est-ce que ça va être le petit jeu là encore? Ah! Pourquoi j'ai entendu un cliquetis? Pourquoi c'est rouillé comme pas possible ici? Ah, puis j'ai trop de bordel sur moi. Poudre jaune. Voilà. Toujours dans un souci d'économie de place. Bon, je peux récupérer au pire la batterie. Voilà. Oh, note interne. Avis de transfert de matériel. Coffre à 3 chiffres, résistant à la chaleur. Déplacer du bureau de Stars. Attends, attendez, je l'ai pas bien fait. Déplacer du bureau de Stars. De F vers le bureau ouest F1. Combinaison gauche 9, droite 15, gauche 7. Bon. La carte. Coffre. On a dit quoi? Déplacer du bureau de Stars au bureau ouest. Ok, donc. Donc ça doit être. Là. Ça doit être le fameux bureau que je ne vais pas depuis tout à l'heure. Bon bah, au moins j'ai le code maintenant de ce truc-là. C'est pas mal. Bon là, il doit avoir toujours le connard. On va avancer lentement. On ne bourrine pas. On avance comme une petite mamie. Avec beaucoup d'arthrite. Tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Bon, tu bouges ton cul. C'est pas possible, il le fait exprès. Si je tire pas, est-ce qu'il va... Ah, ah, ça a pas marché. Ah. J'ai tenté la discrétion jusqu'au bout, ça n'a pas marché. J'ai pas la bonne clé. Ok, ça mène où ça? Ah bah. On me ramène là. Moi j'aurais pu peut-être run, mais bon. J'ai
trop prudent ou trop confiant. Je me suis dit, ah, sa vision est basée sur le mouvement, même s'il a pas d'yeux. Dans le doute, si je bouge pas, ça devrait le faire. Mais non, ça l'a pas fait. Mais pas du tout. Bon, il va falloir que je m'occupe du Lascar dans son bureau. Alors, écoute-moi bien, Billy. J'ai pas le temps avec tes conneries, donc tu es prié de mourir. Ah, y a une balle qui est passée. Ah, lâche-moi. Attendez 2 secondes. 9 à gauche, 15 à droite et 7 à gauche. 9 gauche, 15 droite, 7 gauche. Alors, 9 à gauche. Alors, quand il dit à gauche, en fait, je sais pas si. Je dois faire une connerie, attendez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était pas ça. Donc c'est bien dans l'autre sens. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ah, oh, cool. Tout ça pour une pochette. Et je sais pas quoi faire maintenant. J'ai passé la zone embrumée. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? La salle des caisses. Ah, j'ai pas fait la salle des archives, je crois. J'ai pas souvenir encore d'avoir fait les archives. Après, tout semble bloqué pour les archives, donc je pense pas que je pourrais y aller, mais bon. Voilà, tout est bloqué pour les archives. Tout. Bon, ça, j'ai plus rien à faire pour l'instant, tant que j'ai... On va passer ailleurs. Ah, j'ai pas fait le rez-de-chaussée. Ouais, mais le rez-de-chaussée, c'est la sauvegarde et la chambre noire. Je m'en fous pour l'instant. Ah, j'ai des munitions pour pistolet, là. J'avais oublié des munitions... l'escalier de secours. Là, j'admets que je bug un peu. Salut OB. Putain, mais faut que j'aille où? Hélicoptère explosé. Je viens de voir ce connard de liqueur. Lui, il va bientôt me faire chier. Faudra que je la batte d'ailleurs. Il manque une clé. Bon, on va faire le tour, on va bien trouver. Hein.
Ça grogne un peu. Oh la putain! Ah bah allez par là! C'est pas par là! J'ai déclaré que ce n'était pas par là! La bibliothèque ça servira à rien. Il faudrait que j'accède au hall, peut-être. Ah, la salle de stockage. Bah non, c'est barricadé au C4. Ça ne servira à rien. Non, ça c'est un cadenas. Ça, je peux pas y accéder. Ça, c'était quoi? Trou de manivelle. Ah, me dis pas que faut que j'aille récupérer la manivelle. Ah non, je pense pas que ça soit ça. J'ai un doute, mais je pense pas que ça soit ça. Tu commences à être chiant, toi, hein. Tu le sais? Madame, vous avez le dos cabré. Il va falloir remettre ça en place. Je tourne un peu en rond pour rien, mais bon. Ah non, je peux pas la récupérer. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bonsoir, désolé, je suis venu tout à l'heure, mais mon ordi a bugué. Comment ça se passe alors? Je tourne en rond. Mais pas de soucis, hein. Les bugs d'ordinateur, on connaît. Là, j'ai croisé le liqueur. J'espère qu'il est... Je sens qu'il est plus mort. Dans le doute, je garde le pompe à la main. Ça, je pouvais pas le faire parce que j'ai besoin de la clé. Ça, ça me ramène à cette salle-là. Là, je suis paumé, là. Je sais pas ce que je peux faire encore, là. Faudra que le cric. Mais j'ai pas de cric. Quoique techniquement j'aurais pu utiliser ça comme cric, mais bon, on va dire que ça marche pas comme ça. Ah, peut-être que... Ah oui, ça devait être peut-être ça. Ouais, mais... C'est pour ça qu'il faut le cric. Ah, ils sont malins. Parce qu'en gros, il va falloir que... Bon, je vais les bouger en avance. Ça, ce sera fait. Peut-être que je trouverai un truc. Des fois, il y a des trucs planqués comme ça, donc on sait jamais. Et... Il n'y a rien. Ah si, il y a un truc. Des balles. C'est toujours utile. Bon. On n'a toujours pas croisé notre Mister Caspier. J'admets que là je bloque un peu là. Je sais pas vraiment où aller en fait. Si quelqu'un a un indice à donner, je suis tout à fait preneur. Là-bas ça sert à rien parce que je pourrais pas y accéder. Parce que non, normalement, même s'il y a un accès, je le verrai. Peut-être trouver la manivelle. Ça sera peut-être utile. Si t'as besoin d'aide, je connais le jeu par cœur. Et bah, moi je veux bien parce que, comme je sais qu'ils ont changé toutes les énigmes par rapport au vieux de la vieille, je pense que c'est la manivelle qu'il faut que je trouve. Mais je. Oh, me dis pas qu'il va falloir que j'aille dans la salle avec 10 tonnes de personnes quoi. Sérieux? Il doit me manquer un truc, j'ai dû louper quelque chose. Ça
Là, je viens de voir le liqueur. Donc, qu'est-ce que j'ai loupé? Est-ce que j'aurais loupé un truc là-haut aussi? Là, c'est bloqué. Sauf si... Ah, ouvre! Là, ça restera obstrué. Manivelle, tu veux dire le volant pour... non, le volant dans les douches, pour accéder aux douches, je viens de le faire. Je viens de réussir à accéder aux douches et j'ai vu le liqueur. Donc, est-ce que j'ai loupé un... J'ai peut-être loupé un truc en haut, hein, en vrai. Hein. Non, je n'entre pas dans cette salle de l'enfer. Ouais, je pense que c'est ça, hein. J'ai dû louper un truc en haut. Hein. Je suppose, théoriquement, parce que là je ne fais que des suppositions, qu'en gros il me manque la manivelle pour accéder à ça. Le trou de manivelle. Je suppose que c'est ça. La barre de fer pour le cric. Bah, je me doute, mais qu'il faut une barre de fer pour le cric. Je pense que c'est, je pense que pour le cri, quoi, il faut une barre de fer, mais là, j'admets que je suis un peu paumé. C'est... Ah, donc, c'est le cri. Donc, j'ai dû louper un truc en haut, hein, à mon avis. Hein. C'est clairement ça, j'ai dû louper le truc pour trouver le cri. Ah, non, c'est pas par là. Ah, quand tu es lent. Le cric est dans la salle au rez-de-chaussée. Bon bah je retourne au rez-de-chaussée. J'en dis pas plus. Bah merci, hein, t'inquiète pas. Hein, c'est... J'aime bien trouver aussi les choses quand même. Bon après, je vais refaire les trucs, les coins que j'ai pas fait parce que... J'ai tendance à oublier que c'est vrai que Resident Evil, faut toujours retourner en arrière. Donc je vais retourner dans les endroits que j'ai déjà fait, mais que... Non, 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 tu ne passes pas toi, dégage. Je suis sûr que tu fais semblant de dire que t'es mort. Voilà. Couché. Ah. Ah non, merde, j'avais pas vu. J'avais pas vu mon sergent. Non. Oui, je sais, je devrais être plus précautionneux au niveau de mes munitions. Mais que voulez-vous, je suis comme ça, j'aime bien être brutal. Là, là, là. Non, non, je te dis, j'ai pas le... Ah mais je m'en doute, hein, qu'il faudrait que j'en garde. Ouais, faut que je sois plus précautionneux au niveau de mes munitions. Bon, non, toi je vais pas là parce que je sais qu'il y a... est-ce que j'aurais oublié un truc là? Pourquoi j'ai pas la clé de celui-là? Parce que je pense que je l'ai pas récupéré, c'est pour ça. C'est, en fait, c'est ça que je disais tout à l'heure, je pense que j'ai pas encore récupéré tout. J'ai dû louper la clé. Et voilà, en gros, où j'en étais... En gros, avant que tu arrives et que je tourne en rond et que je tue le liqueur, j'étais à peu près à cet endroit-là, j'avais fini de fouiller cette pièce. Et peut-être que j'ai oublié un truc dans cette pièce.
Ouais. Bah oui, voilà. Comme quoi, j'ai vraiment oublié des trucs dans cette pièce. Hein. Je dis, hein, vraiment, je le fais sans solution, sans rien. Je cherche. Mais j'ai dû zapper un truc, à mon avis, à partir de là. Ouais, je me doute qu'il me faut la clé. Mais je sais pas où je l'ai pu la zapper. Peut-être un truc avec cette pile. Donc si on suit la logique du jeu. Je viens d'aller là. Je croise le liqueur. Soit j'arrive à l'esquiver, soit je suis en train de lui bourrer la gueule. Là, je peux pas rentrer parce que j'ai pas encore la clé. Je reviens là. Je reviens dans cette pièce et il me manque un truc. Là, laisse-moi encore galérer un peu 5 minutes. J'ai vraiment envie d'essayer de trouver par moi-même le truc que j'ai zappé. Qu'est-ce que j'ai pu zapper? Non mais en vrai, Léon, tu pourrais quand même sauter de cette largeur, putain. qu'est-ce que j'ai... Donc là, je viens juste de... Je poutre le liqueur. J'arrive dans cette... Je reviens dans cette pièce. J'ai la Ah, un truc avec la batterie, peut-être. Que j'ai zappé avec la batterie. Je pense que c'est ça. Il y a un truc que j'ai zappé avec la... Ça me paraît bizarre que je récupère une... Même si c'est qu'une pile à la con, hein. Mais ça, c'est bizarre de récupérer une pile. Ouais, j'échafaude de toutes les théories de ce que j'ai pu louper. Donc on suppose ça. Je reviens dans cette pièce avec ma batterie, mon œil, mon... Lui qui est en train de pisser le sang et d'hurler à la mort. J'ai donc ma batterie. Est-ce que j'aurais loupé... Qu'est-ce que j'ai loupé? Supposons qu'une fois que j'ai tout ça, le jeu m'invite quand même à retourner plus ou moins là. Non mais j'ai rien loupé, hein. Je vais céder à la tentation de l'indice. Ah, vais céder, j'y arrive. Je sens qu'il y a une connerie que j'ai loupée. Non, il y a rien là. Est-ce que la batterie, ça me permettrait de faire exploser le truc? Ça me paraîtrait quand même un peu gros que la batterie puisse faire exploser le truc de C4 quand même. Bon allez, je cède à la tentation, ça m'énerve, j'ai honte de moi, mais je sens que je vais céder à l'indice. Hein. Rien. Wow. Bah, je refais les pièces, on sait jamais, j'ai peut-être loupé un truc, mais... C'est con, mais... Resident Evil 7, c'est comme ça que je l'avais fait, j'avais fait tout un par un, et puis au bout d'un moment, j'avais trouvé, quoi. Regardez aussi la map. Ça, je m'en fous. Ça, toutes les fenêtres sont vertes et ça va me faire chier, ça, je le sens. Les portes... Ça, tant que j'ai pas encore la touche, ça sert à rien. La salle de conférence, ça, c'est bloqué. Mon écran qui décide de partir en veille... La bibliothèque, j'ai besoin du cric.
Le PC, j'ai besoin de la... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est un cadenas. C'est l'échelle. J'essaye de faire par déduction. Coffre. Un cadenas. Bon, je vais essayer avant l'indice. Je vais essayer ma connerie du C4 par le la petite batterie 9 volts. Je sais, c'est complètement débile, hein. C'est peut-être pas du tout ça, mais pour trouver la clé fref, tu dois pouvoir à l'extérieur du commissariat, mais avant, tu as besoin de quelque chose pour sortir. Quelque chose pour sortir. Alors, je vais faire une sauvegarde, mais pas sur mon autre save. Voilà. Voilà. Après, c'est le. Moi, je me doutais qu'il fallait sortir à un moment du commissariat, ce qui aurait été logique. Ah, t'inquiète pas, hein, ça va, c'est un indice. C'est un indice léger, donc ça va, c'est pas un problème. Bon, de toute façon, faut que je vais refaire les pièces une par une. Il y aura bien un moment où je vais trouver l'indice, hein, du moins, trouver le, voir ce qui me manque et que j'ai loupé bêtement. Je te déteste, statue. Je te déteste. Donc, supposons, on arrive là. J'arrive dans cette pièce-là, ouais. Je vais jusqu'au bout, mais au bout, il n'y a rien. Réfléchissons, réfléchissons. Il y a beaucoup trop de sang dans cette pièce. C'est une pile 9 volts standard. Non, c'est vraiment pas ça. Hein. J'ai tenté le truc débile, mais ça a pas marché. En fait, le cric, c'est pas maintenant. Je t'ai dit des bêtises. Oh bah t'inquiète. Hein. C'est vrai que ça, c'est ça qui est assez bien, je trouve, avec le jeu, c'est que tu peux tourner longtemps dans le commissariat. C'est vraiment à toi de trouver les choses et tu peux, t'as vraiment différentes étapes dans le jeu. Ouais, donc c'est bien. Ouais, il y avait bien une corrélation entre C4 et ça je. Donc j'étais pas sur une mauvaise voie, mais il manque un truc et c'est ça et c'est ça le problème. Donc réfléchissons. C'est peut-être dans la pièce. D'abord, analysons cette pièce. Il n'y a rien dans cette pièce qui me permettrait de sortir, du moins qui me permettrait d'utiliser C4, donc c'est pas là. Donc ce qu'il me faut, c'est le détonateur, ce qui est assez logique. Puis je me dis, ouais, c'est vrai que c'est logique qu'une fois que t'as la pile. Une fois que t'as la pile, t'as besoin du détonateur parce que voilà, tu sors de cette pièce-là, donc la logique, le jeu est quand même fait de façon à être logique. Donc ça veut dire il manque un truc. Cherchons un peu. Peut-être vérifier le coffre aussi, ça serait bien une idée pas trop bête. Ah, peut-être l'armurerie, après tout, c'est... Alors...
tour de l'horloge. Bah, pas de soucis. De toute façon, je vais encore, je pense que je vais encore faire une bonne grosse demi-heure. Hein, donc, prends ton temps, il n'y a pas de soucis là-dessus. Cadenas. Donc ça, c'est un truc. À... C'est un code. Ça, c'est un code, le cadenas. Ça, je pense que ça sera pour plus tard. Tout ce qui est alsage de stockage. Bibliothèque, donc ça c'est le cric. Ah, il faudrait que j'atteigne l'armurerie, je pense. C'est logique. Dans ma tête, c'est logique. Le salon, la bibliothèque. La salle d'art, elle sert à rien pour l'instant. Là, j'ai bloqué les portes. La salle de conférence, elle mène nulle part. Une machine à écrire, coffre. Chambre noire. Peut-être que dans la chambre noire j'aurai quelque chose. Non, ce serait débile. J'ai pas d'autres. Pour l'instant, j'ai pas d'autres trucs. Pistolet. Je vais aller vérifier la salle. Il me faut, je pense, quelque chose pour. Je vais vérifier la salle si dans l'armurerie justement il n'y a pas. Ah, ouvre-toi. Donc là je peux pas, c'est logique. Donc là il n'y a rien. Ok. Donc là le jeu me demande une clé. Je pense pas que ça soit que pour l'arme. Ou peut-être que si. Non, ça doit être que pour la. Semble avoir une grande valeur. Donc, non, c'était pas ça. Ah, là, je galère un peu, parce que je me doute qu'il faut le détonateur, mais là, franchement, j'ai aucune idée d'où il se trouve, ce foutu détonateur. Je pense pas que ça soit l'avion il est en pièces. Tu me rappelles tes horaires de stream, s'il te plaît? Normalement, c'est 21h pour mes solos. Et pour avec les collègues, c'est à 15h. Bon, je tente le truc débile, je retourne près d'hélico. Ça me semble logique, c'est un hélico militaire, pourquoi pas? C'est. Il faut que je fasse gaffe aux zombards. Oh, non, non. Oh bah adieu. Vous êtes mort, hein. You die. Ça me rappellerait presque
Dark Souls, tout ça. Léon parvient à rejoindre le RIPD commissariat de police de Raccoon. Malheureusement, il n'est pas en sécurité pour autant. Ouais, je vais tenter l'hélico. Hein. Dans le pire des cas, c'est pas ça, mais bon. Comme dit l'adage, qui ne sert rien n'a rien. Bon, je vais tenter d'abord par le bas. Ça me semble pas être idiot quand même. Hein. Ah tiens. Ça peut être utile. Alors voyons ce que j'ai comme objet. Une flash, un outil de coupe. Moi qui pisse le sang. J'admets que là je cale un peu. J'y arrivais, j'avançais bien jusque là, mais là. Au revoir. Ça sert à rien d'aller, à mon avis, de ce côté-là tant que. Tant que j'ai pas ce qu'il faut. Ça sert à rien pour l'instant. Il va pas me donner un petit indice, toi? Je me sens impuissant quand j'arrive pas à trouver. C'est triste. Tout que je voilà, j'ai un bout de l'énigme avec l'idée du détonateur, mais je ne sais pas du tout où il est ce foutu détonateur. Excusez-moi. Merci bien de m'accompagner dans cette galère. Je suis mort une fois pendant que tu n'étais pas là. Je me suis bêtement fait avoir par deux zombies en même temps. Voilà, je cale un peu. Là, franchement. J'ai aucune idée. Du moins, ma théorie à moi, c'est qu'il y a peut-être un détonateur dans l'hélico. Mais sinon, là, j'ai aucune idée de où pourrait être le détonateur. Donc là, vraiment, c'est un petit peu ennuyeux de me voir, à mon avis, tourner en rond de façon ridicule. Donc ouais, là, pour le coup, je veux bien un petit indice. Je pense que le détonateur, à mon avis, soit il est dans l'hélico et ils font un moyen de l'éteindre. C'est une théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut.
Alors je dois ouvrir une salle pour le trouver. Il y aura une connerie avec ça. Ah là là. Vous êtes horrible. Je suis sûr en plus, s'il y en a, ils se disent « Ah, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis ou est-ce que je le regarde galérer ?» Mais en vrai, j'adore galérer, je tourne en rond, je suis en train de dire « Mais putain, mais qu'est-ce que j'ai loupé ?» Le truc qui serait drôle, c'est que le truc que j'ai loupé, ça soit une statue à la con. Non, c'est pas une statue à la con. Laissez tranquille lui. Tu vas te bouffer le pompe en pleine bouche. Voilà. Sérieux? Ah! Vous êtes beaucoup trop solides les zombies. On peut lui mettre la grenade dans la bouche. Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça plus tôt. Et bon appétit, bien sûr, en trophée. Pardon. Ah non, mais là j'ai bourré, hein. J'ai bourré comme un sagouin, hein. Ça servait strictement à rien. Bon, ça servait strictement à rien, je vais recharger ce bout là. Hein. Putain, j'ai une charge. Je savais même pas que j'avais une sauvegarde auto dans le jeu. Je vais recharger parce que là c'était pitoyable, j'ai usé des trucs pour rien. Donc résumons ce que j'ai comme objet pour pouvoir ouvrir des salles. Bon, je vais regarder quand même là-dedans. Bon, ça sert à que dalle. Bon, si la grenade elle sert à quelque chose. J'ai de la poudre noire que je vais garder pour faire des balles au cas où. Non, je vais me faire encore gueuler parce que j'ai juste trop de balles. J'ai un outil de coupe. Donc, à mon avis, c'est pour. Est-ce que je l'ai déjà entièrement utilisé? Ça m'étonnerait sinon le jeu me l'aurait dit. Et j'ai un joyau rouge qui est un objet clé. Alors, qu'est-ce que... Oh le con! Oh le con! Oh le con! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible, à quel point je suis con! Mais c'est pas vrai! Ça fait 30 minutes que je tourne en rond alors qu'il y avait une porte, que j'avais oublié la chaîne, c'est pas possible! Oh mais c'est pas vrai! Mais je suis teubé! Mais c'est pas possible! Et puis le moment c'est que tu me le dis en plus, Bahamas! Je le vois à ce moment-là! J'ouvre la carte, je me fais... Ah, il y a une porte que j'ai dû oublier! Oh putain, c'est pas possible! Oh mon dieu! C'est ridicule quoi! Je me suis dit, ah, j'ai checké toutes les portes, c'est bon, j'ai rien oublié! Mais non, il y avait une porte que j'avais oubliée! Une! La fameuse salle qui manquait. Ah bah ouais, non mais là... Je sais pas, je m'étais dit, oh c'est bon, cette salle j'ai déjà fait, je suis passé à côté, ça sert à rien. Et là, il y a tout le monde.
dans le chat, qui, du moins dans le chat, dans les gens qui regardent, qui doivent se dire mais c'est pas possible. Alors là, faut que je fasse gaffe. On va éviter d'user des balles. Fais gaffe, on avance. On va faire une petite esquive. On va être économe en balles, on va faire une petite esquive. Putain, y'en a. Ça m'emmerde d'utiliser ça, mais. Voilà. Putain. Voilà. C'est pas du tout économe. Je vais me faire disputer par le chat. Et voilà. La fameuse salle que j'avais complètement oubliée. Oh bah tiens, un appareil électronique. Je me demande à quoi il sert. Est-ce que ça servirait par hasard à déclencher du C4? Non, je suis sûr que ça sert pas du tout à ça. Je suis sûr que cette salle était totalement optionnelle. Donc je peux pas la faire dans ce sens-là. Voilà. Ah oui, des plantes. Y a rien d'autre. On ouvre la porte. Non mais là, le coup de la chaîne que j'avais pas vu, alors que en plus je suis passé à côté, hein. C'est ça le pire. C'est que la première fois je suis passé à côté en me dépêchant, en me disant ouais faut que je me dépêche tout ça. Mais non, je veux pas des. Tu as vu le tableau dans la. Je vais encore aller trop vite. Mugi dessus, encore aller trop vite. Alors non, toi tu me fais pas chier. J'en ai marre de toi. C'est pas possible. Lui il m'énerve. Il m'énerve. Je fais n'importe quoi maintenant. Ah mais je veux pas le. Locked room. Je pense pas que ça soit. Non, ça c'est la salle des douches. Donc attends, on se rappelle, CAP. Bon bah, pensez à un diplôme, CAP. Voilà, ça va être ma technique. Faire des lives le soir, c'est pas forcément une bonne idée en fait, hein, des fois. Hein, je fatigue, hein, je m'endors à moitié. Non, ça c'est les casiers de contrôle. Le tech, l'armurerie. Je vérifie hein, tous les. Non, ce serait la cage d'escalier que ça serait marqué. Bon, on va aller faire exploser cette putain de porte. Et avant, je vais juste vérifier un coffre. Je pense pas que ce soit celui-là, mais dans le doute.
Non, ça c'est un coffre. C'est où qu'il y avait un coffre? Je pense pas que ça soit celle-là vu que c'était les douches. Oh là 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 là. C'est tard le soir, je fais n'importe quoi. Et je titube. Mon personnage galère. En plus, je suis à presque une morsure de la mort. Je pourrais théoriquement utiliser mes plantes, mais je suis économe. Soyons économes. Allez, petit pas, petit pas, petit pas. Petit pas, petit pas, petit pas. Sésame, ouvre-toi. Ah, je vais voir s'il fallait que je mette le compte à rebours avant. C'est pas une bonne idée. Je me barre. Il n'y avait pas un petit message qui disait d'éviter de foutre le bordel? Non, je suis sûr que c'était rien ce bruit. Ça va être compliqué là. Est-ce qu'il va être assez idiot? Tu dois être idiot, tu es un zombie. Ne fais pas le tour. Bouge! Je te tue! Encore! Alors, c'était quoi le dernier indice? Le dernier élément, donc. Une tête de femme, un arc et un serpent. J'en étais sûr de ça. Ah putain, je le savais. Je m'étais dit, ah, c'est bizarre, c'est beaucoup trop calme. Je suis sûr qu'il va rien se passer de grave. Je sais pas où il va me faire repartir. Ah, il me fait repartir là. Alors.
Essaye de le faire vite. Dans ma tête, j'espère du plus profond. Mais non ! Espèce de cheater ! J'ai pas bougé ! J'ai pas bougé ! J'ai dit, j'ai pas bougé ! Quand je dis quelque chose, respecte mon autorité, s'il vous plaît. Bon. On a avancé. Il y a un problème. Je commence à être sérieusement à court de munitions et je sens qu'il y a une petite voix qui me dit tu as fait pas attention à tes munitions, c'est bien fait. Alors là, pour moi, il est mort. Ou bientôt mort. Petite sauvegarde qui s'impose. Non, je garde pour le pompe. Je suis économe. Ça mène bien en bas. C'est bon. On peut sortir. Lieutenant Brana, Marvin. On fiche le camp. Hey, Marvin. On doit vous emmener à l'hôpital sans tarder. Non, non. Sauve ta peau. Allez, je vais vous aider. Attends ! On peut encore sortir d'ici tous les deux. Mais donnez... C'est trop tard, Léon. J'ai essayé, tu sais. Mais j'ai pas pu l'arrêter. On peut pas laisser ça se propager. Je compte sur toi. Va-t'en. Très bien. Comptez sur moi, Marvin. Chemin de la déesse en trophée. Alors. Mais. Prends-moi ça. Poudre noire, ce qui risque d'être utile. Des balles, ce qui risque d'être utile. Quelque chose qui risque d'être utile. Et... Ah oui, c'est vrai qu'on est obligé de passer.
Est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour ce soir? Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Bon, allez, je vais voir juste ce qu'il y a après. Je vais sauvegarder et voir ce qu'il y a après. Puis si je me fais poutrer, bah... je ferai une partie rapidement en solo pour pouvoir débloquer les trucs que j'ai fait très mal. Pour avoir plus de balles. Mais je sens que ça va être drôle. Voyons voir juste ce qu'il y a après pour voir ce que ça va être. Ah, je sens la connerie. Ça pue. Mon général, je sens que ça pue. Oh non. Je sais pas pourquoi, mais mon esprit me dit que ça va être la merde. Au fond de moi, je sens que ça va être la cata. Non, pas toi. Putain de virus G à la con. Aïe, là j'ai plus de dos. Là j'ai perdu des côtes. Aïe. Oui, c'est vrai qu'on sait jamais. Aïe! Non, mais là, je le fais vraiment pour le fun. Vous voulez récupérer les munitions? Ah, le nonneuil. Aïe. Ah mais je le sais, mais là je suis en mode pour le fun. Bon. On va s'arrêter là pour ce soir. C'est déjà un bon live, j'ai fait quand même 2 bonnes heures, voire même un peu plus. On va s'arrêter là. J'essaierai de peut-être bonifier une sauvegarde précédente pour faire moins de merde pour cette partie là, mais bon. Le but c'est quand même d'aller jusqu'à la fin, c'est pas de faire la partie parfaite. Donc je pense que sur ce, je vais vous dire une bonne soirée. Je pense qu'on se retrouvera, je sais pas, peut-être demain. Je pense que je le continuerai demain soir. Et puis voilà. Donc sur ce, à une prochaine et salut !